Et à partir de là, évidemment, la main est tendue à nos amis qui ont soutenu François Fillon. Bon, après, que voulez-vous que je vous dise ? Monsieur Mazerolle nous dit que Monsieur Fillon est un grand républicain et que Monsieur Copé est un bonapartiste. On voit que votre télévision n'est pas engagée du tout. Ça continue comme depuis 3 semaines, mais c'est pas grave puisque nous avons gagné quand même. Olivier, je suis obligé de vous le dire. Je laisserai Olivier Mazerolle répondre à ça. Monsieur Daubresse, ben non, c'est l'attitude. Simplement, il est normal que ce soit l'institution qui donne le résultat. Jean-François Copé n'a pas appelé François Fillon. Il était prévu que c'était la commission qui devait programmer le résultat. Mais il n'a pas attendu. C'est si effectivement vous me permettez un geste de vous interrompre, cher Olivier Mazerolle, François Fillon vient de faire exactement la même chose en disant nous avons gagné de 254 voix. Ben nous avons gagné de 1000 voix. Et si on a une contestation qui s'avère tranchée d'une autre manière, ben on aura gagné de 508 voix. Il n'a donc pas entre dit 500 tout et 1000 voix, c'est tout. Marc-Philippe je vous le dis Daubresse. Très tranquillement. Mais François Fillon vient de faire la même chose. Marc-Philippe c'est du Daubresse. Républicano-bonapartiste, voyez-vous. Marc-Philippe Daubresse, vous qui êtes un parfait linguiste, vous savez très bien la différence entre, d'un côté, les militantes de l'UMP m'ont désigné comme président du parti et m'ont donné la victoire, et de l'autre côté, selon mes décomptes, j'ai 200 voix d'avance, mais j'attends le résultat proclamé par la commission de contrôle. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez bien entendu ? Oui. Moi qui ne suis pas un parfait linguiste, je vous dis comme en ukrainien, ce qui veut dire quand le blé est mûr, il est temps de le récolter. C'est ce que nous avons fait ce soir. Et demain, nous tendrons la main à nos amis fillonistes. Bonne soirée à vous. Nous avons gagné. Voilà, nous avons gagné ce soir. C'était en direct, c'était sur BFM TV. C'est du vécu à la Daubresse, c'est en ukrainien et en français. Thierry.